very sure you do live. Nous revoilà aujourd'hui pour cette deuxième session, mes frères. On n'a jamais eu deux sessions si proches l'une de l'autre. C'est vrai, moi je suis ému. C'est miraculeux. Je n'ai mis enfin bref. Donc, nous revoici en Somnium. Ouais, je me suis fait chier à trouver un nom, je le répète. Ah là, un nom maintenant ? J'ai vu, je me suis baltringue. D'accord, j'écoutais pas alors. Là, si j'avais fait un contrôle, j'en connais un qui aurait une mauvaise note. Hein. Vas-y, fais un contrôle. Non, fais pas de contrôle. Donc, et la dernière fois, on s'était quitté. Enfin, vous étiez des aventuriers partis en. On est mort maintenant, on est par le passé. Des forêts près d'Obicée. Je me rends compte que le nom de la ville est vraiment nul. Enfin, bref. Ouais. J'avais trouvé un nom qui était encore plus nul, du coup, j'ai voulu l'améliorer. Mais... Ta gueule, fais ton voilà. Histoire. Et vous étiez battu contre des zombies et une liche qui contrôlait les zombies dans un camp de survivants qui s'était fait massacrer. Qui ont pas vraiment survécu du coup. Tu vas te faire foudroyer. Oh. Donc. Incroyable. Voilà où nous nous en étions. Oh. Ah. Vous étiez arrêté après avoir tué la liche. Alors qu'Antoine est. Alors qu'Aldrust est. Et Kellogg's, oui, il a pas trouvé de nom pour son perso, c'est vrai. Bah si. Il était encore en train de saigner des morsures de zombies. Ouais, du coup, ils ont des dégâts, eux, hein. Ouais, ah, oui, j'ai pris 4 de dégâts. Il y a rien qu'à changer. Il y a rien qu'à changer. Moi, j'ai pas pris de dégâts, je crois. Ouais, j'ai juste pris de l'XP. Bah moi non plus, j'ai pris que. Non, il y en a qui ont eu de la grosse chatte. Bah non, Alan, il a eu de la grosse chatte, il a pris des dégâts quand même, tu vois, ça fait pas tout. C'est clair. Ouais, bah parce que je l'ai sauvé, alors j'aurais pas dû. Hein. Bah, je serais pas mort, mais. Si on pouvait aller se reposer là d'ailleurs. Bah, du coup, le bruit m'ont fait peur. Est-il capable de nous soigner ? Notre druide est vide. Ah ! Bon ! Et au d'accord. Passage, non. Moi, je suis pas comme Antoine, tu peux me soigner. On établit un camp et puis voilà où. Noé ! On t'a envoyé en patrouille. Mais il y a un camp de survivants à côté. Mmh, un camp de survivants avec les cadavres des survivants dedans. Bah, ouais, bah c'est cosy. Il a brûlé aussi le. Ouais, la liche, elle a quoi sur elle? La liche, elle a pas un PML? Le loot, le loot! Il est où le loot? Le loot! Il est où le loot? Bah, est-ce que tu as fouillé la liche déjà? Moi, je vais fouiller la liche, je dois faire un grand bar! Moi, je vais plutôt fouiller les alentours en tant que bon guetteur. Je vais guetter. Bah, faites vos lancers, dites ce que vous voulez faire. Moi, je vais faire. Pourquoi t'as lancé de quoi pour discerner la réalité, c'est ça pour Bah pour chercher, ouais, je suppose que ça va être un discerner la réalitude. C'est pas moi qui ai joué. Bon bah hein. est-ce que ça vaut même si le coup. Si t'as joué, t'as fait un succès critique. Ah, vous avez tous les deux lancé. Oh moi j'ai fait un partiel. Ah bah j'ai joué alors. Ah bah j'ai joué. Putain, succès partiel. Vas-y bah je vais jouer aussi. Hein. Succès partiel. Bon du coup il a quoi vu que c'est partiel lui. Et eh ben, c'est on fouille récemment ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec a des problèmes de mémoire. Faudrait un G pour le loot comme sur. Mais non, tu fais qu'est-ce qui pourrait m'être utile ou précieux ça, hein. Ici. Du coup, il va te dire, eh ben la liche, elle a du loot. En fouillant la liche, trouvez, bah, déjà il y a sa robe qui pourrait faire office de trophée en rentrant dans la. Ça coûte combien? Je la mets sur ma tête et je fais l'avion. Le mec il a décidé d'être tout un turban, toi, wow. Enfin, Albus. Parce que si vous rentrez à la guilde et vous dites. Si vous rentrez à la guilde et que vous dites. Eh, on a tué une liche, mais que vous avez rien pour le prouver, je pense pas qu'ils vont vous donner grand chose. Puis vu qu'elle a pas de jambe, ça va pas être une jambe en tout cas. Antoine, il prouvera quoi avec ses morsures, hein? Rien, à part que tu t'es fait mordre par un clodo. Les gamins prennent un zombie sur son dos. Prennent un zombie sur le dos. Ça sera juste des cadavres pour les gens, ça apportera rien. Et en fouillant. En fouillant la liche, vous trouvez aussi un cristal noir qui fait pas bon. Qui veut dire cristal noir qui fait prends quoi caillou. Bah, prends le caillou, mets-le dans ton inventaire. Il pose un j'espère poids. Qu'il est maudit, hein. Un poids, il pèse. Un pod. Moi, eh ben, je vois le caillou et je me dis, oulala,
je suis quand même un aventurier, j'ai peut-être déjà vu des trucs comme ça. Il y a quelqu'un qui analyse le caillou avant de le mettre dans sa poche, j'aime bien. Je dis, ah, moi, caillou, je, moi je peux jeter un jet pour le maudire. Et attends, moi j'ai jeté un jet. Attends, on sait pas encore ce que c'est. La réalité et ma question est la suivante, qui est vraiment maître de la situation ici? Vous. Balaliche. Balaliche. Attends, mais j'ai fait quoi? Pourquoi j'ai défié le danger, moi? Désolé, je me suis tué. Il vient de tomber. Aïe, aïe, il a trébuché, il est mort. Ah, tu sais des trucs, toi, tu sais des trucs. La pierre, elle est dangereuse, hein. Pourquoi t'as fait un défi et le danger? Non, je voulais étaler ma science. Ah bah c'est court. J'ai quand même mis ce clic. Je vois bien Alex, il se retourne en mode vénère, il fait... Ah, il voit la pierre, il fait quoi? Il le danger. Alors qu'il arrive... vers la forêt. La la la. Ah bah c'est pire. J'aurais dû défier le danger du caillou. J'ai pas dit qu'il y avait pas de danger, Kevin. Explique pourquoi tu fais un échec, s'il te plaît. Alors, je vois le caillou... Et genre, je me dis, une pierre. Ce caillou est rudement noir. J'en ai jamais vu. J'ai fait genre j'étais un aventurier, mais en fait, je suis juste un petit con. Vas-y, Antoine. J'étale ma grosse science. Bordel! Oh là là! Ce caillou a une forme phallique. Il étale sa science, il prend le caillou, il sort sa bite, il frotte sa bite, et c'est quoi ce caillou? Non, hey, c'est un drame quand même, parce que j'ai quand même plus 2 hein, en jet d'intel. T'as hein. Plus 2? Mais mec, t'as fait 2-1? T'as fait 2-1? Il a fait officiellement la pire lancée du monde. Bon, au moins vous gagnez tous les deux un point d'XP. Ah oui, c'est vrai. Et Alan peut étaler. Ah non, Alan il l'a déjà fait, non. Ah non. Bah non, j'ai pas lancé pour voir ce qu'il y avait, pas pour étaler ma science. Non, mais attends, puis laisse-nous savoir. C'est, alors, c'est une action, tu vas pas faire une action, je fais 3 secondes, sinon moi je fais des échecs critiques tout le temps. Bah tu seras niveau 20, niveau 200 les mecs hein. Antoine 3 niveaux d'avance, ouais je fais beaucoup de déchets. du coup vous prenez quand même le caillou? Bah oui, moi j'ai mis dans ma poche. Ok. J'ai pas trop pris de mes couilles, hein. Juste un conseil, le cassez pas hein. J'espère que c'est un œuf de dragon. En tout cas, Trône a indiqué quelque chose d'intéressant. Il ne faut pas le casser, c'est pas une géode, ok? À votre avis, une liche qui se balade à caillou, à votre avis, c'est forcément un truc positif? Et surtout, elle est noire, donc ça recèle des pouvoirs maléfiques. Ah, c'est forcément... C'est forcément pas bien, c'est noir. Et je vous supporte, alors non, je suis loin d'être raciste. Hein. Non, on est pas noir, nous. Ah, c'est vrai, regarde, il y a le nain, il y a l'alphelin, là. En plus, elle a le perso le plus raciste des quatre, en plus... De base. Je tolère votre existence. Elle nous rentre encore et prouver qu'on a fumé la grosse pute. Faut établir un camp. Mais non, faut pas établir un camp, faut retourner au camp. Ouais, on en avait un avant de venir ici. Vous pouvez retourner en ville là. Déjà vous soigner parce que vous avez deux blessés. Qu'on me retire ce piercing dégueulasse. Non, c'est pas piercing, c'est une moustache. Je suis contre. Voilà. Du coup, vous prenez tout ça et vous retournez en ville. Bah y'a rien d'autre à looter. Bah ouais, de toute façon, moi je suis trop con pour prendre des décisions. Parce que toi, j'avais fait un jet de dé qui n'a. Il s'est rien passé, mais qu'est-ce qui pourrait m'être utile ou précieux ici dans l'environnement? Y'a quelque chose en particulier ou... Bah la robe de la liche pour pouvoir gagner votre prime d'avoir tué la liche, mais à part ça. Personne l'a pris, si. C'est pas une prime, t'es envoyant patrouille. Mais y'a rien d'autre mis à part la pierre et la robe. Si c'est un lieu en guerre, ça paraît cohérent, c'est genre tu tues un monstre un peu magique et tout, on doit être des mercenaires. Que les autres. Bah, il doit y avoir quelques rations qui restent dans le camp des. Ah bah on les prend au passage. Des mecs. Enfin moi j'en ai pas besoin parce que voilà, mais. Quelques habits, quelques tentes. Vous êtes sûr vous voulez pas prendre une tente, il reste une belle en bon état. Casse-toi avec ta tente. Vous êtes nul, vous comprenez pas la force d'une tente. Enfin bref. Du coup vous retournez. En Obissé pour voir le pire prévoir. Qui racle son fond de yaourt, bordel de merde. C'est la vache. Ah, mais je croyais que c'était une petite ferme. Putain. Je croyais que t'étais sur un bourg, voyez-vous. C'est une sacrée ville. Ouais, on entend le forgeron qui forge. Quoi? Attendez. Mais non, vous marchez quelque forgeron là, on est sur une ville avec des vaisseaux volants là. Vous entendez les Stormtroopers? Non, c'est des oiseaux, Antoine. Enfin bref.
Vous marchez quelques heures et en arrivant à l'orée de la forêt et en voyant la ville, vous apercevez au loin de la ville le mur. Pardon, il y a une teub dans l'eau. Mais c'est ça qui me fait rire en plus. Vous apercevez le mur. Relique de la guerre entre la Fédération impériale et le Royaume des Salars. Le Royaume des Salars va commencer à construire un mur pour prendre un peu l'avantage leur bordure qu'ils avaient un peu abandonné parce que ça coûtait des sous. Et maintenant que la corruption arrive, ils ont recommencé à le construire parce que ils en auront peut-être besoin. Game of Thrones, The Wall. Faites taire ce chiard. Elle parle pas de moi, elle parle de la musique derrière. Ah ouais. Oui, parce que j'étais en train de mute Antoine. Ramène pas ta fraise, le vieux. Ce mur est magique. Oui. Dit-il, on te lance à Ah, la sénilité, ça n'aide pas. Non, je suis pas sénile, en plus, je suis pas vieux. T'as une barbe, t'es vieux. Donc, du coup, arrête avec tes conneries là, putain. Vous revenez à. Il y a un gros drapeau rouge avec une grande gamée. Ah, j'aime bien cette ville. Oh dieu. Du coup, vous allez en ville, vous retournez à la guilde. Qui est un peu une énorme auberge, qui fait office d'auberge pour les aventuriers, machin et tout. Et en rentrant, vous arrivez, vous essayez, pour dire que vous avez fini votre mission à la merde, comment dire, la personne qui fait l'accueil, la tenancière, qui vous demande qu'est-ce que vous lui dites quand vous y arrivez. Quoi ? C'est elle qui nous demande. Bonjour. Ah non. Vous rentrez comme ça. Comment elle s'appelle, c'est quoi son prénom ? Bah c'est pas, faut lui demander. Bonjour, jeune demoiselle. Mais non, mais on la connaît, c'est la tenancière de la guilde. Quel est son prénom? Attendez. Je peux lui envoyer la robe à la gueule? Non. Moi, je pensais que t'aurais... Je pensais justement que vous lui direz « Oh, on a tué une liche et tout » et que... Là, elle demande la robe pour voir... Pour faire m'assurer qu'Antoine ait du mal à la donner. Parce que moi, je vais faire... salut, machine. On revient de la patrouille et... On a tué quelque chose de plus gros que prévu. Attends, je trouve son prénom dans pas longtemps. Mais si, c'est Ghislaine, on sait. Appelle-la Esmeralda, c'est pas compliqué. Adelaide. Adelaide, comme dans l'aide. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est pas belle, du coup. Premier prénom que j'ai trouvé. Ah, je préférais Ghislaine. Ok, est-ce qu'on peut avoir le dialogue avec la jeune fille? Voilà, c'est bon, elle a un prénom. Vous pouvez dialoguer. Bonjour Adelaide. Nous sommes de retour après la patrouille. C'est Adelaide. C'est Donc bonjour, est-ce que ça s'est bien passé? On n'a pas eu trop de problèmes? Ouais, super, on a vu des gens cramés, on a buté une liche, franchement c'était le pied. Une liche? Ouais. Oui, c'est pas très beau à voir. Ouais, et comme elle avait froid, elle avait un manteau, du coup on a pris le manteau pour qu'on l'avait tué. Maintenant c'est ma robe. Est-ce que vous c'est tout? C'est bon. Comment ça c'est tout? On a fumé une liche. On a aussi trouvé cette pierre, mais on est incapable. On était incapable de savoir ce que c'était. Vous sort mon elle sort un petit outil en mode. Je vais analyser la force magique de la liche pour voir si vous avez tué vraiment un gros monstre, voir la récompense que vous méritez. Ouais. Et au moment où elle passe le truc sur le caillou, le petit bitonio explose. Ah ouais? Est-ce qu'elle est morte? Non, bah c'est un petit truc, genre une loupe magique ou un truc comme ça. Ah ouais, il y a trop de puissance qui sort de la pierre. Oh. Et du coup, elle est un peu étonnée, elle fait mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce à dire que ceci? Et elle. Alors, c'est quoi? Bah, elle sait pas ce que c'est. Je parle. Tu veux que je prenne une autre voix pour que tu comprennes que c'est mon personnage qui parle? Oui. Non, bah c'est bon, c'est... maintenant je sais. Prends une voix fluette. C'est quoi? Du coup, elle vous demande de prendre le caillou. Prenez le caillou et retournez voir le grand chef à l'étage. Et donnez-lui ça. Bon bah, moi je prends le caillou et non, c'est mon caillou, je le prends, je monte. Viens. Est-ce que je peux vous payer une bière? Oui, qu'il porte. J'ai dit en premier, bâtard.
Ouais, je m'en fous. Déjà, comment t'as pu sortir alors qu'il était dans mon caleçon? Il allait fouiller dans ton slip. Il y avait un poil de couille accroché au caillou. Je tiens à préciser. C'est ça qui a cassé la machine, c'est mon poil de couille, c'est trop bizarre. Je tiens à préciser à mes coéquipiers un peu nuls que je suis très bonne en négociation. Moi aussi, si je paye des pâtes. On va pas le vendre le caillou. T'attends bien, on est dans une taverne. Je parle plus de la robe éventuellement si c'est de la merde. Ah bah. On s'en fout, c'est ma robe. Bon, moi j'ai juste du charisme. Allons voir le vieux. Du coup, vous montez tous à l'étage ? Ouais. Quand vous arrivez à l'étage, vous trouverez rapidement un gros bureau qui est dans lequel il y a le vieux. Il y a déjà des aventuriers. Des aventuriers qui sont plutôt balèzes. C'est des gens qui ont déjà un peu plus d'expérience de vous, qui sont en train de parler avec le... Je souhaite les pousser avec le cul sur la main. Bande de neuneux, mais du coup... Moi, ouais, j'en prends le frère, hein. Je les regarde se battre s'il faut. Du coup, tu fais quoi, Antoine, en arrivant ? Bah, moi, je prends le caillou de la main de l'autre, et puis je pousse les autres, et je fais « C'est quoi cette merde ?» Il est dans mon caleçon. Et je m'en fous, j'attrape sa tub aussi. Tu l'arraches avec une énorme poignée de poils, et tu entends un poil. Comment tu l'arraches ? Faites-moi mal. Donc, du coup, t'arrives, tu pousses déjà les autres aventuriers qui sont en mode « Mais c'est qui ?» Ouais, j'en mets des coups dans les genoux, quoi. Le papy c'est négrard hein. Et au moment où tu fais un geste violent en posant le caillou un gros coup sur le bureau, tu vois le mec qui est le chef de guilde de cette région qui te regarde avec des grands yeux, qui le prend et qui fait « Mais faites attention avec ça, vous êtes fous quoi ?» Oui. Il me semble qu'il fallait être précautionné et qu'il fallait... Cette merde. Je sais pas, c'est la tenancière qui vous a dit de venir la poser chez vous. Putain, ils savent pas reconnaître ça, mais qu'est-ce qu'on leur apprend, ces tenanciers ? Y a la loupe de machine qui a explosé. Bah bien c'est sûr ! C'est du caviar ! Ça installe la corruption ! Si vous brisez ça, ça va tout corrompre dans une zone autour de lui. Ah ! Mais c'est pour ça qu'il l'aimait. Du coup, faut pas le manger. Ah bah non, faut pas le manger ! Du coup... Mais est-ce que ça vaut cher ? Désolé, mais ça ne sera vraiment pas vraiment. Je souhaite récupérer les cailloux afin d'aller vendre. Ça sert à quoi? Ça, je viens de dire, c'est un cristal de corruption. Si tu le brises, ça corrompt tout autour de lui. Oui, mais ça sert que à corrompre. Bah, c'est déjà pas mal. Non, tu peux aussi faire des crêpes avec, connard. Attendez, je souhaite frapper Alan. Enfin, Kellogg's. Alors, je propose qu'on fasse tous les deux un jet et que celui qui gagne, il pète le bras de l'autre. Tu sais que tu vas faire, Antoine. Ok, je m'en bats les couilles. Arrête, me saoule. Moi, je m'en fous, je... Antoine, il va faire son plus beau 14. Première fois de sa vie. Je mets une flèche dans le cul, je te jure. Attends, alors, faites-le, vous lancez, là. Bah, j'attends qu'il lance son dé. Je vais défier le danger en intelligence, parce que je suis plus intelligent que lui. Oh! Oh, le bâtard! Maintenant, tu t'assoules devant moi et tu sais ce que dit Top Ten. Tu viens d'utiliser toute ta chasse pour la partie. Je m'en fous, tu es soumis. Alors, à moi. Ah là là, il fait un 14, qui annule le 14. Mais putain, c'est pas marrant. La 12. Non, moi je ne t'ai pas tapé par contre. Au moment où vous essayez de commencer à vous énerver et à vous taper dessus, il y a un des aventuriers à côté de vous qui est un humain en armure de plaque, enfin de plate complète, et arrive qui vous attrape tous les deux les mains au moment où vous allez vous frapper. Vous n'avez pas honte, on a d'autres problèmes à faire en ce moment que s'occuper de rivalries débiles entre deux aventuriers débiles. Mais j'allais lui casser le cul. Vous avez pas entendu le vieux, je suis fou. La dernière fois, il lâche comme ça. Et là, le vieux vous demande, enfin le chef de guild se retourne vers vous et vous fait « Vous avez trouvé ça où exactement ?» Dans sur une le liche. Cadavre d'une liche. Bah, mais il y a une carte devant lui sur laquelle ils sont en train de dans une forêt. On patrouillait dans la zone un peu à l'est, à l'ouest de d'Odyssée. Par là. D'Espicé. Ouais, donc vous indiquez sur la carte à peu près où vous l'avez trouvé. Et le vieux se met à... Déjà, il ouvre un de ses tiroirs, il met le caillou dedans, il le referme comme ça. Il ouvre un tiroir dans lequel il y a un coffre, il met le caillou dans le coffre qui referme à double tour, et il referme son tiroir qui ferme à double tour encore une fois. Eh, mais il nous vole notre caillou. Bon, c'est tout, hein. Ah c'est non, non, moi je veux de l'argent, hein, papy. Hein. De l'argent, vous irez voir avec la tenancière après. Ok.
Neda Ferris, c'est étrange. On est censé être loin du foyer de la corruption. Elle n'a pas atteint cette zone. Bon, on est foutu. Ils se remettent à réfléchir pendant quelques instants, vous ignorant complètement. Oh! Il y a que la tête qui dépasse sur le bureau. Exactement. Et les gens réagissent pas beaucoup autour. Et d'un seul coup, il y a le vieux qui fait un cercle sur la carte. Je pense que toute cette corruption doit venir d'ici. C'est tous les points que tous les aventuriers. D'après les rapports de tous les aventuriers, tout converge à cet endroit-ci. Bon, on peut aller jeter un coup d'œil. C'est pas un peu dangereux, même si je suis un peu con, vous voyez. Ça voudrait dire qu'il y a plein de sources de corruption ici. Oui. Et le vieux dit, on va préparer les aventuriers de la ville. Dans quelques semaines, on vous enverra tous en mission dans cette zone pour pouvoir voir ce qui s'y trouve. Ça sent la mission suicide. Et après, du coup, tu vois les deux autres gros aventuriers, les gros calibres, qui se barrent après qu'il dit ça parce qu'ils ont compris. Et... oui. Je dis quelque chose. Ils ont compris, eux. Hein? Il y en a qui se tenaient, hein? Ils comprennent pas, ils apprennent pas. Bah, vous attendez aussi votre récompense, donc c'est normal que vous ayez pas parlé. Bah, file la thune, c'est bon. Et le vieux Griffon, quelque chose sur un bout de papier, il vous le donne, il fait donner ça à la tenancière, elle vous récompensera ensuite. Et, tant que vous y êtes, j'aurais peut-être besoin d'un groupe d'aventuriers si vous êtes disponible incessamment sous peu. Les travaux du mur ont révélé quelques ruines non loin d'ici, qui seraient des anciennes ruines du temps où les elfes contrôlaient le continent. On a besoin de les explorer. Les travailleurs les auraient bien explorés eux-mêmes, mais bon, il y aura des marques de gobelins à l'intérieur, c'est pas très dangereux, mais bon. Le problème, ça serait que si les ruines passent en dessous du mur et ressortent et qu'il y ait une entrée depuis les zones corrompues, ça pourrait nous poser des problèmes. Est-ce que vous accepteriez d'aller les visiter en attendant la... Avant, papy, ils nous disent qu'on a gagné. Ah, ils vous donnent le papier, il y a une somme marquée, vous avez gagné, qui vous donne 200 pièces d'or. What? C'est parti, c'est parti, c'est bon. J'ai une question. Oui. Papy, il faut, si on... le tunnel et après on le... histoire que du coup il soit... Non, on sait pas ce que vous... Premier temps, ce serait l'explorer les anciennes ruines elfes de l'ancien temps pourraient être très utiles, surtout s'il n'y a aucun point d'accès depuis les zones corrompues. Et s'il y a un accès, on fait quoi ? On ferme l'accès ? Bah oui. Ok. Ça coûtera plus cher par contre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vend la vie ? Est-ce que... Putain. J'aime bien le druide, moi. Ah, nom de Dieu. Du loot! Yes! 200 pièces d'or. Est-ce que je peux aller m'acheter de la dynamite? Pourquoi tu veux de la dynamite? Bah pour faire sauter le tunnel! On pourrait s'en fournir pour la mission si vous le désirez. Ah bah on le désire! Oui, bien sûr, est-ce que vous voulez de la dynamite? Bah oui! Attends! Oui! Tu déconnes ou quoi? Du coup, je vote pour que ce soit le mec qui fait les flashs enflammés! Ah ouais, je veux la dynamite, quoi. Bon, reposez-vous et soignez-vous de vos blessures. Vous allez pas en pleine forme de votre dernière mission. Vous partirez demain et d'ici demain, j'aurai préparé. Vous repasserez à la guilde avant d'y aller pour récupérer votre dû. Enfin, vos explosifs. Ok, on va chercher la thune à toute. Ouais, avant même que le papier est fini, moi je cours sur l'escalier à toute vitesse. Je vais attention, je donne le papier et je lui dis donne la thune. Et c'est moite-moite, hein. Moi je lui dis. Moi j'en ai 4. Je lui dis au revoir et merci. Allez, à plus. Et nous vous ferons un rapport plus complet sur la situation plus tard. On se revoit au bar. Du bas de la taverne d'Antensus, bon. Moi maintenant j'aimerais bien essayer de discerner l'alignement de mes compères parce que je commence à me poser des questions sur qui sont les technos qui je me retrouve à faire des missions. Bah demande-leur, parle avec eux. Ouais. C'est un truc genre je peux leur demander, ils me répondent.
Bah, c'est ok. Si tu demandes quel est votre aïe mort, par contre, c'est chelou. Hein. Ouais, je sais, c'est pour ça. Je sais pas comment c'est géré dans le jeu, ça. Moi, je suis aligné vers le sud. Lui, tu peux dire que déjà, il a pas de trait d'humour. Son alignement, c'est faire des blagues de merde. Bah, non, du coup, je vais profiter. Là, c'est un peu un moment de liesse et tout, on a de l'argent. Je pense que je vais en profiter pour, genre, payer un coup à Alan, admettons. Donc, elle nous a donné quoi, le tenancière? Bah, du coup, elle vous a donné 4 sacs de 50 PO. Ah, d'accord. Putain, c'est 200 PO pour cette quête-là et c'est 200 aussi pour l'autre? Bordel, ils sont généreux dans le coin. Putain, ouais. Du coup, moi, j'en profite pour payer un coup à Kellox. Et pour parler de ses motivations dans la vie et de son histoire. Comme ça, ça m'aidera à cerner son alignement. D'accord, on va dans un autre channel pour parler ou on parle devant tout le monde? Non, mais genre du coup, t'es pas obligé de me raconter ta vie pour de vrai, mais genre du coup, j'en déduis ton alignement en théorie, je suppose. Et Jérémy, le prénom que t'as écrit, je pense que ça se prononce plus Adélaïde que Adolède. Ouais, mais moi, je préfère dire Adolède. Ouais, je préfère dire Adolède, c'est trop tard. Non, parce qu'il y avait pas de tréma déjà. De l'aide. Bien, du coup, on s'isole ou pas? Non, commencez pas à faire le truc isolé parce que non, ça. Non, mais sinon, on raconte de. Genre, on peut discuter pour de vrai ici. Hein. On peut, plutôt que je paye un coup à Alan, on se paye un coup. Voilà, on se paye un coup à 4. Hein. Ok, non, il a dit qu'il payait sa tournée. Allez, c'est parti. C'est combien la Vinous? Il faut peut-être aller à la taverne déjà, non? Bah, on est deux, la guilde fait taverne en même temps. Il fait office de taverne aussi. T'es dans Monster Hunter là. Moi j'ai 50 pièces. Et vous pouvez passer vos nuits. Moi pour de vrai, moi je dis. Allez, je paye ma tournée pour fêter ça et. Et vous mettez un nombre de pièces d'or écrit. Moins charisme. Mettez plutôt un truc genre. Vous êtes à un niveau de richesse, on va dire pas très riche, mais pas très pauvre, comment on pourrait mettre ça? Bah, non mais on peut mettre le nombre de pièces d'or dans son inventaire, moi ma classe elle commence avec 13 pièces d'or de base. Ouais bah... Mmh. C'est ah t'as ça dans ta classe? Bah ouais! L'aventurier commence avec 13 pièces d'or. Ah! D'accord. Et bah du coup moi aussi je suis aventurier. Bah alors moi je suis un SDF. Moi je sais pas ce que ouais, mon gars. C'est à dire que moi j'ai pas de passé, j'ai pas d'histoire, je viens de nulle part. J'ai 13 pièces d'or actuellement. Ah ouais tu viens de nulle part mon gars, bon, t'as quand même 50 PO hein. Ouais ok, bah heureusement. Oh, du coup, au passage, une nuit dans l'auberge, ça coûte un PO. C'est tout! Y'a pas une chambre un peu luxurieuse? Ah, mais genre, ouais, en vrai, c'est un peu. Luxurieuse! Luxurieuse, ouais, avec la végétation et tout. J'ai envie de faire super une petite jeune. Yes! Y'a de la nénette dans la taverne! C'est pas une taverne, c'est la guilde, espèce de tour du cul. Y'a une petite nénette dans la guilde, une petite assassine. Bon allez, moi je vous paye votre tournée, allez ça fait moins 4 PO pour Bibi. Mais j'avais dit. Ouais t'as. Du coup il a aimé, mais il a même pas payé sa tournée. Je peux bien prendre des 4 que t'as payé à tout le monde, hein, c'est pas un problème. Oh bon, tu te retournes en disant bon écoutez, je veux bien vous payer votre tournée. Il y a 3 ou 4 aventuriers qui se retournent en te regardant et qui font aaaah comme ça, qui se battent à gueuler. Bon, je crois que ça va me coûter un peu plus. Ça va me coûter un peu plus cher. Il y a la tenancière qui descend, qui se baisse un peu et qui dit discrètement « Je serai vous, je ne parlerai pas très fort de payer des tournées. » C'est pas grave, plus on est nombreux, plus on se marre. Bon, il y a une dizaine d'aventuriers pour l'instant en plus que vous. Y a pas yes, de... Allez, c'est ma tournée tout le monde. Non, moi je gueule pas pour toi. Moi je vais m'asseoir à la table tu avec la bière. Tu modéré comme garçon. Et du coup je me suis niqué 14 PO, on est d'accord, hein, c'est un PO la bière. C'est pas ouais. Un PO la bière, t'es fou, c'est vrai. Un PO et la bière ou même plus. Allez, moi je craque des thunes, on s'en fout, je suis pas comme ça. Après il y aura plus un pour les putes. Moi faut que je regarde pour mettre un ordi. Avec tout le monde maintenant. Greetings friend. Moi je suis parti m'asseoir. De la bière de. Ok bah du coup je prends la bière d'Antoine. Je trinque avec lui, je lui fais merci Adrus. Et puis je vais m'asseoir avec Kellox. Vous allez vous parler entre vous. Est-ce que c'est aussi possible d'avoir une petite planche à manger, des petits trucs à manger, tout ce possible végétarien? Elle va bouffer la table. Bah oui, il t'apporte des salades et tout. Ah ouais, mais salades, végétarien. Hein. Ça coûte 25 PO. La petite salade de liche. Bon, du coup, moi je suis assis, je regarde dans le fond des yeux Gadamé. Ok, bah moi aussi je te regarde dans le fond des yeux et je te dis... Ouais, alors Kellogg's...
T'es un peu familier avec la corruption? C'est un grand moment de conversation. Non, non, moi je suis pas du tout familier avec la corruption. Là. Mon objectif c'est de chercher un objet bien précis. Après, en découvrant un petit peu les guildes et en voulant prendre des missions, j'ai découvert la corruption et j'ai vu que ça pouvait me rapporter un peu de pognon en attendant. Encore plus une grosse grenouille que moi, impressionnant. Pas étonnant pour des oreilles pointues. Ah non, c'est vrai, ça le fle. Ouais, ah ouais, bah, c'est comme il est. Et alors, on a rangé son gros bide. J'ai pas de gros bide, dis ta mère, je suis un mini-M. C'est pas ça l'alpha là. Espèce de nain moche, ça va. C'est pas grave, moi je décide de trinquer avec Galamé. Ouais. Ouais. Eh, hey, dis donc, attends, santé, Adrus. Pourquoi t'as un moignon, toi? Encore des paniques sexuelles chelou. Non, j'ai perdu ma main très jeune pendant bah, pendant la guerre. La guerre. Ah, t'as été dans l'armée? Ouais, j'ai fait partie de l'armée, mais j'étais. C'était pour qui? Pour les gentils. Oui, mais ça, c'était l'Empire. Qui, c'était qui? C'était l'Empire? C'est l'Empire. Ouais, il vient de l'Empire, Alex. D'accord. Et quel est ton mais pas, mais plutôt, enfin, pas du tout du coin de l'Empire d'où on vient non plus. Hein. Moi, j'étais dans un coin frontalier. Et j'étais un fantassin de base, j'étais très jeune. Ah, attendez, je vais faire un petit truc. Hop. Elle est où la taverne? Il y a un petit village de Galam ici. Voilà. Ok, merci. Qui n'a pas de nom, s'appelle le village de Galam. Tes compétences ouais, y avait sont pas de nom dans sa description. C'est pas vraiment celle d'un fantasson que tu nous tout à l'heure. Non, mais je savais pas me battre à l'époque. C'est pas à l'armée que j'ai appris à me battre. Et ça a pas changé. Et du coup, c'est quoi ton objectif dans la vie, Galamé? L'objectif dans la vie, c'est de continuer. La mission. Si c'est une trahison, je me prends. Non, oh, c'est continuer de continuer la mission de la personne qui m'a tout appris. Et c'est quoi sa mission? Être c'est grand. Qui t'a tout appris? C'est rendre le monde meilleur. Dis donc, l'alphelin, il va se calmer sur les. Et combattre la corruption. D'accord. Et qu'est-ce que tu sais sur la corruption du coup? La corruption magique, pas grand chose. La corruption des hommes, beaucoup. Attendez, je vais faire un truc. Je vais faire un jet de. Un jet de charisme sur Alan. Pour faire quoi? Ta-ta-ta-ta-ta. De ton jet de charisme. Ta-ta-ta. Ah, on va faire un défi de danger parce que. Alors, quand je trinque avec les gens, c'est avec constitution. Ah, c'est vrai. Eh merde! Bon bah, c'est tout, hein, on trinque. Vous trébuchez, hésitez, vous planchez. Il y a juste besoin de situation. Il trébuche, il tombe de sa chaise et il s'étale avec sa tête. Non, mais j'ai juste cliqué sur ça parce que c'était un jet de constitution. Bah, t'as fait une réussite, techniquement. Hein. Mais t'as un jet de charisme. Mais non, mais il ferme sa gueule, alors du coup, ça marche pas si c'est un jet normal. Tu peux faire un jet de charisme. Non, quand je trinque, je suis avec constitution. Ok. Et du coup, je vais passer sur les questions sur le nain. Alphus, quel est ton objectif dans la vie? Adrus. Non, c'est Adrus. Toi aussi, tu ne peux pas dire ton prénom, connard. Adrus. Merci. Bah, t'es gros et t'es poilu, t'as le bus. Allez. Et t'es gay aussi? Je choisis d'ignorer la question du nabo aux oreilles pointues. Je fais un jet de charisme pour qu'il me réponde, attention. Mais ça va chier au début. Où est-ce que t'as appris la magie, mon bon Adrus? Oh, ah, j'ai pas avancé. Je me tourne vers Galavé. Plus un XP, allez. Chacal. Ah non, c'est de la triche, ça. Ah bah non, j'ai fait un échec. Ce sera le seul de ma carrière, alors profite. Ah, sur une scène de dialogue comme ça, vous êtes droit à un seul point d'XP pour en cas d'échec. Comme ça, ça évite de farmer trop. Putain. J'ai appris la magie dans une ville dont je me souviens plus. C'était Red Flint. Mais je me rappelle qu'on explosait des mines à coups de magie et c'était marrant. Des mines où on mine, mais il n'y avait pas beaucoup de mines. Genre le mec qui était des mineurs, mais à coups de projectiles magiques. Les mines aussi, ça existe pas dans ce monde-là. Ouais. Et vous miniez quoi? Bah, il y a des mines magiques, un taliban. Ah bah, je sais plus ce qu'il minait, moi je minais pas, j'apprenais la magie. T'as appris la magie en série? Comment? T'as appris la magie en série? Probablement que vous vous êtes pris des éboulements sur la tronche, c'est pour ça que vous avez un pet au tête. Bah non, pas de cailloux. Pas que je me souvienne en tout cas. Tu te souviens vraiment pas grand chose? Comment?
Oh là là. Ouais, je suis un peu sourd aussi, ouais. Tu te souviens vraiment pas grand chose de ta vie d'avant? Pas grand chose, non. On va pas faire mon feu. J'ai mon livre, hein, j'ai mon livre. Et toi, enfin, un journal intime? Non, 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 un grimoire du coup. Moi, je viens de Paypal Buy. Ok, et tu veux faire quoi dans la vie? C'est quoi ton objectif? Et qu'est-ce que c'est de la corruption? Putain, c'est un CV qu'il me faut là. Déjà, mon objectif dans la vie, essayer de vous tolérer un peu plus, ce serait pas mal. Bah putain, va falloir changer de langage. Il va falloir aussi que je te baïonne. Jambon de baïonne. D'accord, je vais me repayer une bière. Et ton objectif, c'est quoi? Ton vrai objectif? Disons que ce qu'on a pu affronter tout à l'heure, faire en sorte qu'il n'y en ait plus, ce serait pas mal. D'accord. Et s'il y a des petits dommages collatéraux comme le vieux qui... Ce serait pas je mal. Suis bon vieux. Je suis bon vieux. Je suis bon vieux. Bon, du coup, c'est bon, vous avez encore des questions à vous dire? Ouais. Bah, j'ai pas appris le vrai alignement des gens, mais c'était pas mal quand même. Vers le sud, j'ai dit. Du coup, vous passez une nuit à l'auberge. Vous soignez au passage. On dort direct ou pas? Bah non, bah vous passez la soirée. Y'a pas des bonus? Moi, je suis quand même. Non, justement, ce que je veux dire, c'est que je suis allé. Ah, ok, parce que j'allais dire que moi je voulais pas aller me coucher trop tard. Du coup, genre, quand je commence à bouger pour aller me coucher, si tu veux me choper à ce moment-là pour parler, c'est le moment. Attends, attends, Galabé, attends. Quel style, Atorus? Il n'y a pas de PD. Attends, justement, est-ce qu'on peut séparer juste deux secondes le temps que je lui demande? Parce que justement, là, c'est privé. Vas-y, bah si tu veux. Ah, allez. Oui, bah, du coup, moi, c'est aux autres de partir plutôt. Hein. Je fais genre, je m'en vais, mais j'écoute de loin. Non. Wow. Je te vois, t'es pas un elfe. Non. T'as pas une weed elfe. Non, parce qu'elle se change en souris. Chat. En mulot. Et ça, j'ai le droit, et sans jeu de dés, d'ailleurs. Vous me repérez pas, parce que vous savez pas. Bon, bah, y'a que Alad qui écoute pas. Allez, elle est en train de faire. Sur son échec, je vote qu'il est bourré. Du coup, on isole la reine juste deux secondes, le temps que de ce que je vais discuter. Ah, je croyais qu'on faisait pas ça, et maintenant, ça y est, ça veut m'isoler. Ouais, mais c'est à toi de partir, parce que nous, on doit rester avec... Oh. J'aimerais savoir si tu voudrais pas aller voler le coffre du vieux. Quoi? Eh ben non. Bah, des cristaux qui répondent... Qu'est-ce qu'il fout là, ce chat? Non, pas d'accord? Non, je suis pas un voleur. D'accord, bon bah c'est tout, je pensais qu'avec ta dégaine d'assassin à la con, bon, pardon. Et bah tu m'as mal compris. Ok, bon bah c'est tout, je vais chercher l'alphelin pour l'homme de Holly. Bonne nuit, Adolf. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, les pédés. Moi je te prends sur mon épaule tellement t'es bourré. Moi avant d'aller me coucher, bah je vais méditer sur ma colère. Tu vas même méditer sur ta colère. Je suis en tailleur sur mon lit avec du rouge qui sort un peu de mes yeux. Mais mes yeux fermés. Il est beau, Alexis, en fait. Ouais. Il est vraiment beau, hein. Il est trop très beau, Edgy, je sais pas. Oh, j'ai failli perdre ma manette. Bon, bah, moi je reprends mon apparence normale. Qui suit un petit Dark Souls à côté. Moi je suis dans mon lit, je suis cut.